on a tellement des adorateurs. Nous ne pouvons pas les freiner. Vous ne pouvez pas les freiner. Une bande de démons peut s'organiser là tout à l'heure et commencer à faire l'église et les gens vont venir adorer. Permettez-moi de commencer là. Parce que c'est ce que je vois dans mon Gabon. Amen. Moi, je suis allé en Inde. Les Indiens adorent même la salive d'un être humain. Vous allez me dire que quelqu'un... Moi, je ne parle pas à l'église. C'est un adorateur. Il adore quelque chose que tu ne connais pas. On a des adorateurs qui adorent à gauche et à droite et ils viennent encore adorer à l'église. Je répète, il y a des adorateurs. Il a adoré la nuit. Il est allé adorer en cachette quelque part. Et le dimanche matin, nous tous ensemble, il vient encore adorer à l'église. Tellement des adorateurs. Et Jésus était assis là, il constatait ça. Il grandit là-dedans, il les voit. Il constate qu'il y en a qui vont à Jérusalem. Jésus dit, moi je ne pars pas. Et il mène. Il va en Samarie. Il constate que les dimanches, les gens vont à la montagne. Il dit, oh pitié. Tout ça là, ils appellent ça adorer Dieu. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Quand tu dis nos pères ont adoré, toi tu adores où? Je suis convaincu que cette petite prostituée a dû renier l'adoration sur la montagne. Il dit, le temps pour moi d'adorer n'est pas encore arrivé. Et pour ne pas perdre le temps, je veux me faire occuper par quelque chose qu'on appelle prostitution. En attendant le temps d'adoration, quand le temps de mon adoration arrivera, je laisserai ce que je suis en train de faire. Lui dit Jésus. Et il meurt. Crois-moi, l'heure vient. Où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Et le Père est quoi? Le Père est quoi? Le Père est quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Donc, il y a beaucoup qui partent à l'église sans Saint-Esprit. Mais c'est ça. Donc, il y a beaucoup assis ici ce matin. Et donc, on va finir de faire le bruit qu'on fera. Il ne saura pas ce qu'on a fait. On peut faire tout ce qu'on va faire ici. Il ne saura ni la queue ni la tête. Parce que tu ne peux pas rentrer dans notre monde et tu ne connaîtras rien dans notre monde. Pour rentrer dans notre monde, il faut avoir ce qu'on a. Pour comprendre ce qu'on fait, il faut avoir ce qu'on a. Si tu n'as pas ce qu'on a, c'est une musique qui ne te sert à rien dans les oreilles. Automatiquement, vous allez voir la sœur ou le frère en train de dormir. Et il meurt. Ou si on vous donne son cœur, ou on branche un micro dans son cœur, il est en train de penser à son copain, il est en train de penser à un rendez-vous, il est en train de penser certainement à quelque chose qui est hors de la parole. Et la conclusion en lui, je perds mon temps ici. Je ne sais même pas ce que je suis venu chercher. Prochainement, il ne va pas revenir. Il n'a pas d'intérêt. Amen. Mais quand le pasteur parlait de ça là, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais tu ne peux pas lui répondre. Ne lui réponds pas. Ne lui réponds pas. Pose-lui la question. Tu étais là, moi aussi j'étais là. Et pourquoi tu n'as pas écouté?
Non, ne me posez pas des questions à la sortie. Nous tous, on participe à la prédication. Amen. Mais le grand souci est que ne viens pas participer s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu ne vas rien comprendre. Qui donc comprend la parole? Ah, donc c'est Dieu lui-même. Au-dedans d'un frère et d'une sœur. Et donc quand la parole de Dieu sort et que Dieu se trouve dans un cœur, vous ne pouvez pas arrêter la joie de Dieu de se faire entendre lui-même. Qu'est-ce qui fait que les gens ne se réjouissent pas quand la parole de Dieu sort? Arrivé dans le message de Branham, je me sens bien. On a une écriture qui est en train de s'accomplir. Et elle a pris pour racine au Congo des adorateurs. Des adorateurs. Quelqu'un va me poser la question, c'est quoi qu'il appelle des adorateurs? Mais les gens qui prient au nom de Branham, eux-mêmes ils disent qu'ils sont des quoi? Jésus parle des adorateurs. Il y en a qui adorent à Jérusalem, d'autres adorent sur la, et d'autres adorent Branham. L'heure vient, et je peux t'attester, madame, que l'heure est déjà là. Amen. Le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà là. Elle est là parce que moi, je suis le Saint-Esprit. Et c'est le même moi qui viendra en vous. Je m'en vais et je reviens. Je serai avec vous et même en vous. Alléluia. C'est pourquoi cette dame n'est pas allée adorer le Dieu de ses pères sur la montagne. Il n'est pas allé à Jérusalem. Il attendait l'adoration. Elle avait besoin du lieu d'adoration. Le premier lieu d'adoration était à Jérusalem. Le deuxième lieu d'adoration était sur la montagne. Le troisième lieu d'adoration, c'était Jésus-Christ. N'adorez jamais un homme. N'adorez jamais Branham. Le lieu d'adoration, c'est Jésus. Je ne pars pas à l'église pour aller voir une sœur. Je ne pars pas à l'église pour aller voir un frère. Et Branham dit, quand Jésus parle du haut de la chair, quand la prédication sort, dit-on amen sans m'interpeller. Je vois l'esprit là ici à plein ciel. Quand la parole sort, ne touchez pas l'autre personne. Ne l'interpellez pas. Ne lui donnez pas vos commentaires. Dites-on amen à toi-même. C'est un mauvais esprit. Il faut que ça prenne fin. Ne perturbez pas les autres. Je t'autorise à courir dans la salle. Mais ne me touche pas. Je t'autorise de dire amen comme un fou. Mais ne m'interroge pas. Ne me fais pas partager ta compréhension. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de donner à chacun sa compréhension. Et il te donne la compréhension à ton niveau de foi. Si le Saint-Esprit te conduit à courir dans la salle quand la parole sort, il ne m'a pas dit de courir aussi. J'ai l'impression que vous ne croyez pas à la conduite du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui m'amène à l'église? C'est pas ce que dit le prophète. Et qu'est-ce qui t'amène chez toi, depuis chez toi pour l'église? Amen. Nous sommes donc nous être conduits par? Amen. Et donc là où je suis assis, je vais être concentré avec mon Saint-Esprit. Il va me parler. Il y a des faux. Il y a aussi des vrais. Même ce matin au milieu de nous, il y a des faux. Et il y a aussi des vrais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quiconque est assis ici sans Saint-Esprit, et il meurt.
Et le problème du faux, c'est que le faux copie le vrai. Le faux copie. Alléluia. Il n'est pas dans l'esprit. Mais comme il vient, tu vois qu'il va se lever pour dire amen à la parole. Il dit, mais pourquoi moi je dois rester assis? Son amen est un amen pour embrouiller l'église. Son amen n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Si je pouvais te poser la question, tu dis amen que tu as entendu quoi? Tu as compris quoi? Il y a beaucoup qui disent amen, il n'a rien compris. Il se lève pour dire amen. Le problème du faux, c'est que le faux imite pour qu'on dise que lui aussi il est. Alléluia. Et tu risques de l'appeler vrai adorateur. Parce que les Chinois, les chiens des Chinois dans la foi, si vous prenez Samsung original et vous prenez, ne fait pas trop de bruit. Et la sonnerie de Samsung chinois fait tellement de bruit. Alléluia. Et quand je ramène les choses à la parole, Paul dit, ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit à l'église. Je cherche les gens que le Père aime. Et les gens dont le Père demande. Parce que lui-même, il est esprit. Et ceux qui doivent être appelés adorateurs. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui adore en eux. Frère Branham dit, ce n'est pas nous qui adorons Dieu. C'est Dieu qui se fait adorer lui-même au travers de nous. Ce n'est pas toi qui crois la parole. Oh, moi j'ai la foi, je crois la parole. Il faut grandir et change-moi ce langage. C'est Dieu qui croit sa propre parole. Mais au travers de toi. Les enfants de Dieu avec le Saint-Esprit, ils pêchent. Ils commettent des erreurs. Aussi là, le Saint-Esprit, Dieu ne pêche pas. Il y a deux fonctions là. Il y a deux personnes là. Il y a un qui vient pour s'adorer lui-même. Et il y a aussi moi-même. Moi, je n'adore pas Dieu. J'adore le monde. J'adore la nourriture. J'adore les habits. J'adore l'argent. Alors les gens ne veulent pas me dire amen. J'adore le luxe. J'adore dormir dans la clim. J'adore les voyages. Mais il y a un autre. Lui, il s'adore lui-même. Il n'y a pas une viande que j'aime à dépasser le pangolin. Mais Dieu n'aime pas le pangolin. L'homme, si tu veux, je te donne l'écriture. Avant de venir prêcher, j'ai fait le contour de tout ce que je vais dire. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc il y a un homme qui aime le pain. Il y a un autre homme qui aime la parole. Tout être humain est double. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je suis double là où je suis. Il y a un côté Dieu. Il y a un côté homme. Quelqu'un peut dire amen? Le côté Dieu, on ne le voit pas. C'est le côté homme qu'on voit. Pourquoi vous avez bu le café avant de venir rentrer dans l'église? C'est le côté quoi? Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui t'attend. Il dit, bois le café. Alléluia. Satisfais bien la chair. Mais moi, je veux me satisfaire à l'intérieur. Quelqu'un peut dire amen. Et donc, quand tu es déjà à l'air, maintenant, tu dois être nourri non plus de la chair. Tu dois être nourri de la parole. L'homme intérieur doit manger quoi? Et donc, tu n'as pas intérêt à manquer les cultes. Tous les matins, tu bois le café. Tous les midis, tu manges. Le soir, tu manges. Tu cherches la force du corps. Hein? Du corps extérieur. Et ce qui me surprend, vous venez à l'église le dimanche.
comment le corps extérieur peut grossir et le corps intérieur maigrir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun homme n'est bon. Moi, je laisse les hommes, je dis aucun chrétien n'est bon. Est-ce que l'erreur est naturelle? Donc, elle n'est pas spirituelle. Elle n'est pas de Dieu. Donc, c'est pour les êtres humains. Est-ce que Dieu a un corps? Quelque part, non. Voilà, il est esprit. Est-ce qu'il doit en prêter un corps? Le mien. Un corps sujet? Est-ce qu'il doit venir vivre dans un corps qui n'est pas bon? Et lui, il dit, j'ai trouvé bon. Il ne veut pas que quelqu'un lui pose des questions. Alléluia. Qui t'a créé? Qui a planifié ta vie? Qui a calculé le nombre de tes erreurs? Et qui les a mis là comme un livre? Est-ce que tu commets des erreurs de toi-même? Non. Qui les a planifiées? Oui. Qui avait programmé ça? Oui. L'erreur n'arrivera pas dans ta vie aujourd'hui si Dieu l'a programmée demain. Oui. Les erreurs de nos vies sont la volonté de Dieu. Si Mikala tombe, il tombe pour qui? Dieu. Qu'est-ce que toi, tu as y voir dedans? Oui. Et s'il est debout, il est debout pour qui? Et toi, tu as y voir quoi y voir dedans? C'est prévu dans la parole. Mikala tombera 7 fois. C'est pas lui-même qui va se relever. Tu tomberas. Est-ce que Dieu t'a envoyé aller tomber? Parce que là où je parle, là, je pense que quelqu'un va dire, moi, je m'en vais tomber demain. Ce que je vais te dire, quand on tombe, si tu ne fais pas attention, ton pied peut se casser. Hein? Tu peux perdre les dents. Hein? Tu risques de porter les plâtres. Hein? Donc vous pensez que tomber là, c'est bien. Hein? C'est des dégâts. Oh? Hein? Amen. Ok, si c'est des dégâts, tu vas pleurer seul. Tu auras le mal là seul. Seulement quand je regarde les Écritures, la Bible dit si l'œil a mal, le doigt ne peut pas se moquer. Il y a des gens, quand il apprend que Guy Roger est tombé, quelle joie! Même s'il voit la fourmi passer. Est-ce que vous avez déjà entendu? Est-ce que tu as appris? Est-ce que je suis venu dans la foi pour apprendre les choses des gens? Vous pouvez me dire qui peut connaître les pensées de l'autre? Il n'y a que Dieu. Et donc si je n'ai pas péché en pensée le matin, à midi, je vais pécher en parole. Et le soir, je vais pécher en acte. Aucun homme ne peut passer toute une journée. Aucun homme ne peut faire 2 minutes. Dis à quelqu'un, mon environnement, c'est l'environnement du péché. Même si tu es moins comme Jésus. Alléluia! Tu ne peux pas faire 2 minutes sans pécher, soit en acte, soit en pensée, soit en parole. Que ce soit l'acte, que ce soit la pensée, tout ça égale.
alors tu vas condamner quelqu'un parce qu'il a posé l'acte. Et c'est l'erreur du chrétien que tu viens regarder les yeux. Nous, on a même quelqu'un qui a payé pour nos erreurs. Et toi, le païen, il n'a pas payé pour toi. Et Dieu me dit, à partir de maintenant, tu as prêché sur les désavantages de la prédestination. Ou prédestination sujet à nos problèmes. Maintenant, tu dois prêcher, alléluia, les avantages de la prédestination. Acclamez la prédestination. Seul Dieu, l'Esprit ne pêche pas. Et Dieu a trouvé bon. Dieu a trouvé bon de venir mettre le bon dans le mauvais. Et le mauvais et le marchent ensemble. Deux personnes marchent-ils s'ils ne s'accordent pas? Ta chair et l'esprit s'accordent. Quand la chair veut faire quelque chose, il s'accorde avec l'esprit. L'esprit lui donne l'aval. Et quand maintenant l'esprit veut faire quelque chose, la chair lui donne l'aval. C'est pourquoi Dieu n'utilise pas les anges. Dieu n'utilise pas les anges. Ce n'est pas les êtres humains. Dieu n'utilise pas des étoiles. Ce ne sont pas des êtres humains. Dieu n'utilise pas des animaux. Frère Branham dit, Moïse regardait le peuple hébreu et il voyait autre chose. Il voyait quoi? Les enfants de Dieu. Oh. Et Pharaon regardait le même. Il voyait quoi? Des esclaves. Alors quand tu me regardes, tu vois quoi? Et d'abord tu regardes où? Tout dépend de ce que tu regardes. Si tu regardes la chair du frère, la chair de la sœur, tu verras des faiblesses. Mais si tu regardes à l'intérieur, tu verras qu'il est fort. Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui, c'était des esclaves qu'il avait sous son pouvoir. Mais quand Moïse regarda au travers de la même fenêtre, il a dû dire à Pharaon, quitte, 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 ne me prête pas ta vision. Alléluia. Pharaon a dû dire à Moïse, viens voir les pécheurs, viens voir les commetteurs des erreurs. Moïse dit, je veux voir moi-même au travers de la même fenêtre. Quand Moïse a regardé, il n'a pas vu des erreurs. Il a vu le peuple béni de l'Éternel qui devait hériter la terre promise. Quand tu me regardes, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Hey, alléluia! Moi je vois que tu es un sorcier, l'enfant de Satan. Oh! Ça c'est Pharaon à l'église du Seigneur. Alléluia! Regardez au travers de le peuple d'Israël qui pataugeait dans l'amour. Pour lui, c'était des esclaves qu'il avait sous son pouvoir. Mais quand il se regarda au travers de l'amour,
les mêmes yeux. Nous ne sommes pas conduits par le même esprit. Nous ne sommes pas du même royaume. Au travail, au quartier, au machin, ne t'affaiblisse pas. Amen. Que le péché ne t'affaiblisse pas. Même si tu tombes, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main. Oh, je l'aime. Ne viens pas me relever, frère. Tu ne peux pas me relever. J'étais dans l'amour et je vis passer le frère. Après, c'est la sœur. Alléluia. Et c'était le pasteur. Alléluia. Jésus était juste. Il n'était pas de ma race. Mais tout ce que moi je sais, est pour moi.